Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le C19. Ça faisait longtemps. Non, ça faisait une semaine en fait. Ça faisait pas très longtemps qu'on l'a fait. On va essayer de maintenir le rythme parce que on voit que ça monte, le nombre d'infectés monte à vue d'œil. Bon, pas de façon exponentielle, quoique la courbe elle est là. Ouais, il y a quand même une forte. C'est pas linéaire. C'est quand même le nombre d'infectés, c'est quand même assez bizarre cette progression, on dirait. On dirait toujours une exponentielle. Il faudrait voir le nombre de morts. Ah, on l'a là. En constante augmentation, ce qui est normal. Ou alors c'est le nombre de morts en moitié. C'est en délit. Ah oui, c'est en délit. En délit, on a eu encore un pic ici. Alors si on compte les morts américaines, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, vu que eux, ils sont vraiment en recrudescence de cas. Le 16, la semaine dernière. Le 16 juillet. Et affaire à suivre, parce que même aux infos, là, c'est la panique, on a peur d'une seconde vague, c'est chaud bouillant cette histoire. Je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, en France, bien sûr, on a perdu notre top au niveau mondial. Alors, je sais plus, on est à quelle place, faudrait voir. Donc toujours les États-Unis, presque 4 millions, Brésil 2 millions, la moitié, l'Inde, la Russie, hein, le top 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on est 16e. Toujours top 20, faut le mentionner. Alors, Afrique du Sud, Pérou, ah oui, Pérou, je sais pas ce qui se passe. Mexique, alors tout ce qui est Amérique du Sud, ça c'était dans les clous, hein, c'est dans les prévisions. Chili, Grande-Bretagne. Je sais plus c'est quoi le nouveau nom de l'Angleterre, Grande-Bretagne peut-être. Iran, Pakistan, petit Paki, Espagne, Arabie Saoudite, Italie, et entre l'Italie et la France, il y a la Turquie qui s'invite. Ouais, c'est assez flippant cette histoire. Heureusement que je regarde pas trop les infos. Parce que y a de quoi flipper, hein, je vous avouerai. Entre un Jim qui nous dit qu'il faut porter des masques, c'est important. Alors j'ai pas compris. Peut-être que... Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des stocks à écouler, on est bien d'accord, mais bon, hormis cela, je sais pas pourquoi. Mais parce que vous voyez là, le pic quand même, on a quand même dépassé. On a passé le pic en France. On est vraiment là dans les nombres de morts quotidiennes, dans les normes. On est quand même dans les normes, en termes de morts en France. Bon, tant que ici ça reprend pas, là on est à combien de morts? On est à. C'est marqué 2,1K. En journalier, 3K. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est quoi que je pars sur mémoire 1600, 1600, 2000 morts par jour, s'il y a ça par jour. Là c'est 2100, ça va. On est dans les moyennes saisonnières, on va dire. Très bien, donc il y a plein de points rouges en Europe, aux États-Unis. Voilà, si ça veut bien s'afficher. Alors, il n'y a pas de nouveaux cas, donc en Chine, c'est passé. Alors, ils sont comme nous. Alors, si c'est une histoire d'hémisphère, c'est qu'il sera en été, tout comme nous. Tout comme nous. Donc, bien sûr, en été, normalement. Si c'est saisonnier, bien moins, un nombre de cas moins important qu'en hiver, hein, qu'en saison froide. Bon, pour l'instant, on s'inquiète qu'à moitié, parce qu'au niveau, oh, petit appel, mais je rappelle. Voilà, mais juste quand j'ai une scène vidéo, je vais rappeler après. Oui, alors ça m'a coupé ce truc-là. Au niveau mondial, oui, ça semble augmenter. Bon, ça, c'est les États-Unis qui. Alors, est-ce qu'ils ont leur pic ou je sais pas quoi? États-Unis. Ah oui, bah, c'est les premiers. J'étais en train de les chercher. Je dis, tiens. Bien sûr, c'est les premiers. Avec 142 000 morts. Alors, eux, voilà. Ils ont eu leur pic il n'y a pas longtemps. Ah, vous voyez cette courbe, on dirait d'un point de vue graphique, une épaule, tête, épaule. Vous imaginez, ça fait ça monte, ça redescend derrière. Alors normalement, ça doit être une gaussienne, mais là, ça ressemble pas trop. Bizarre que ça descende là. Là, tout va bien et ça a repris de plus belle juste après, parce que bon, peut-être les gens se sont fortement relâchés, notamment à cause de challenges en tout genre. Donc là, on s'est dit ouais, le pic est passé, mais non, 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 c'était en train de croître. Donc ils l'ont eu en juillet, ils seraient en plein pic de l'épidémie. Bon, ça devrait baisser. Si ça baisse derrière, c'est que ce pic-là, on l'aurait déjà passé.
Affaire à suivre. En tout cas, est-ce qu'on peut faire pire en termes d'infection ou pas? C'est à voir. L'océan Pacifique. Ah ouais, j'étais en train de me poser la question. Parce qu'ici, c'est le. Vous voyez la mer qui est entre le Japon et la Chine? C'était. C'est quelle mer? C'est quelle mer qu'il y a ici? On n'a pas ça. On n'a pas. C'est pas aussi précis. Même si je fais un zoom. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, attends, encore ça dans 5 minutes, je rappelle. Et là, on va en Chine. Bon, ça s'est stabilisé. On doit être toujours aux 84 000. On va commencer à bien connaître nos chiffres à la force de faire des vidéos. Ah, on est à 85 314. Ouais. Ah, qu'est-ce que je voulais? Ah, oh, ça me coupe. Ça m'a vraiment coupé. Cet appel. J'étais lancé sur un truc, mais j'ai complètement oublié. Bon, ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, oui, aux infos. Bon, ça m'a fait marrer parce qu'il y avait plein de. Il y avait des gens qui t'interviewaient, ils avaient le masque sur le menton. Je me suis dit, mais bon, les gars, c'est le menton qui sue, qui risque de transmettre le truc. J'ai pas trop vu l'utilité. En tout cas, toujours le même message, hein. Portez vos masques. On se relâche pas, hein, les gens. Mais bon, en France, bon, on peut dire qu'en France, le pic est passé à moins d'une probable seconde vague, enfin une éventuelle. Après, je sais pas si c'est probable ou pas. Mais à ce qui paraît, bon, je peux vous donner une date, hein. Le 15 août. Le 15 août, il va se passer quelque chose. Ouais, on sera fin été, on va approcher la fin de l'été, août, septembre. Voilà, on va rentrer dans les temps froids. Alors pour ceux qui se demandaient, ce matin, j'ai eu quand même un peu chaud. Parce que j'avais ma gorge qui me grattait, j'avais mal à la gorge. J'arrêtais pas de tousser. Mais après manger, ça s'est passé, là ça va mieux. Je pense que j'ai attrapé un coup de froid. Je pense que j'ai bu un petit coca un peu trop glacé, et du coup ça m'a rendu un peu malade. En plus j'ai l'impression qu'il y a des courants d'air de partout. Enfin j'étais plus sensible, hein, faut dire, ces jours-ci. Mais là c'est en train de passer, je pensais même prendre de la vitamine C pour me revigorer. Manger, ouais, ou m'acheter un peu des clémentines, des choses comme ça. C'est vrai que la vitamine C, là, en ce moment, j'en prends pas beaucoup. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai une petite baisse de régime. Faudrait que j'essaie aussi, que je me refasse une petite mixture. Je vous donnerai la recette de la mixture que je me fais pour me prévenir. Enfin, pour renforcer le système immunitaire, bien sûr. Plein de vitamines, hein. B2, B4, B5, B12. Tout ce qui est bon, toute vitamine est bonne à prendre pour lutter contre les maladies, très très important. Du coup, bilan des courses. France, 214 000 morts. On en était à combien? On est à 30. Ah, on s'est stabilisé à 30 000, puisque je pense qu'en annuel on a dans les combien de morts? Entre 60 et 80. Bon, on a la moitié. Bon, il y a moins de morts. Apparemment, il y a moins de morts cette année-ci que l'année dernière. Enfin, en tout cas, l'année 17, 2017, c'est sûr. 2017-2015, c'était chaud bouillant au point de vue. Il y avait eu une maladie, enfin ouais, un virus très virulent, une grippe très très résistante qui a emporté pas mal de gens. Et là, on s'en approche. Bon, et l'Allemagne, alors nos voisins allemands, comment sont-ils? Comment sont-ils? Je cherche l'Allemagne, je la vois pas. Russie, hein, ça en a fait, Iran, Espagne. Ah, ça s'est calmé là-bas. Parce que c'est bizarre parce que eux ils testent à fond, je pense qu'ils doivent tester bien plus que chez nous, donc ils devraient avoir beaucoup plus de cas, hein, comme aux États-Unis. Non, ils ont passé leur petit pic, ils sont pas plus confinés plus que ça, et ouais, comme la France, on est vraiment dans les périodes basses, mais mort saisonnière, hein, ni plus ni moins. Italie, bah Italie c'était là, c'était le premier pays d'Europe grandement frappé. Ça décroît aussi, vous voyez. Alors, s'il y a une seconde vague, vous imaginez qu'on se retape cette chose-là l'année prochaine ou... Ouais, normalement, c'est là où il fait bien froid, c'est février-mars, quoi. Ouais, on va dire à suivre l'année prochaine. Mais en tout cas, je pense que, bon, on est
Au jour d'aujourd'hui, on est assez confiant. Très très confiant quant à la disparition. Enfin, en voie de disparition. Virus en voie de disparition. Peut-être ce qui va faire place à un C20, on ne sait pas. En tout cas, bon, on va mettre une météo au vert. Pour moi, je suis satisfait. Je suis très très grandement satisfait de ce qui se passe en France. C'est passé, on respire. En plus, c'est chelou par rapport à l'Allemagne où on a quand même une courbe beaucoup plus claire. Il y a disparité, ouais, on voit qu'il y a un problème sur les chiffres. Mais en tout cas, ça va, tout va bien. Allez, bon, on arrête avec l'angoisse. On profite des vacances de l'été. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.